Cactus 1549, piste 04, décollage autorisé. Cactus 1549, autorisé décollage. Ça me frappe à chaque fois à quel point c'est beau. La vie est plus facile là-haut. Mayday, 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 ici Cactus 1549. Nous avons perdu la poussée sur les deux réacteurs. Retournons à la Guardia. J'ai une urgence. Retour immédiat, il a perdu deux réacteurs. Aujourd'hui, nous commençons par notre enquête du crash du vol US Airways 1549. Cactus 1549, si on vous l'obtient, vous voulez essayer la piste 13? Impossible, on risque de se retrouver dans l'Hudson. Ce n'est pas un crash. On a subi une perte de deux réacteurs à l'altitude la plus basse de l'histoire de l'aviation, avec 155 âmes à bord. Cactus 1549, ce sera un circuit main gauche, piste 31. Impossible. Ok, que vous faut-il pour atterrir? Aucun pilote n'a jamais été formé pour un incident de ce genre. Cactus 1549, la piste 4 est disponible. Je ne crois pas qu'on pourra faire la moindre piste. Et sur notre droite? Sur votre droite, il y a l'aéroport de Teterboro. Navré si cela vous agace, mais nous devons déterminer dans quelles circonstances cet appareil s'est retrouvé dans l'Hudson. Et si j'avais mis en danger la vie de tous ces passagers? Attends, là tu me fais peur, Sully. Vous pouvez atterrir sur la piste unité de Teterboro. Il n'y arrivera pas. Quelle piste aimeriez-vous à Teterboro? J'ai mené 1 million de passagers à destination en 40 années, mais tout compte fait, on me jugera sur ces 208 secondes. On va se retrouver dans l'Hudson. Vous pouvez répéter, Cactus? C'est le commandant qui vous parle. Préparez-vous à l'impact.